pense que j'y suis bientôt là, à mon avis. Non, le gravier ça n'existe pas, les gars. Le gravier c'est dans la tête. Le gravier c'est pour uniquement ceux qui s'appellent Harry Lafranc. Si vous vous appelez pas Harry Lafranc, vous avez pas ce problème. Ah putain, mais il fait nuit. D'accord, je capte mieux en fait. Masterclass la team. Pourquoi le bloc bug quand tu veux les poser? Parce qu'en fait je fais un clic droit sur en gros regarde, je fais un clic droit sur du loot. Tu vois, si je loot par exemple ça, ou je loot n'importe quoi avec mon inventaire est full, si je fais un clic droit dessus, tu vois, ça le ramasse. Et du coup si mon inventaire est plein, regarde, attends, je vais les rejeter, hop, tu vois. C'est là, regarde, je veux poser un bloc dessus, mais tu vois je peux pas parce qu'en fait ça essaie de ramasser le bloc. Alors que si j'essaie de poser à côté, ça marche. Parce qu'en fait je faisais un clic droit sur le bloc, c'est pour ça. Voilà. C'est toi qui es adorable, c'est gentil, Fenrir. Va 0-0. Ouais, là on va au 0-0, je pense, les gars, c'est bon. On va PVP. Oh, PVP. Hop, allez, c'est là-bas, parfait. Et ben voilà, ben, on a un petit peu de diamants, ça fait plaisir. On a 28 diamants, donc c'est à peu près ce que j'espérais. On a récupéré un petit peu d'XP en sachant qu'on a quasiment un livre qui est full. Donc, du coup, normalement, si je fusionne les deux, on va se mettre bien. Et c'est parfait, hein. Voilà, c'est juste parfait en fait. Une gap minage pas ouf, hein. C'est vrai que le minage là, pas terrible, hein. Une gapple. Pas terrible, hein. Une gap. Hein. Et on va pouvoir refaire des cristaux aussi, ça fait plaisir ça. On va pouvoir refaire du cristal. Oh non, il y a le Chupacabra qui est de retour. Il faudra vraiment qu'un jour j'aille lui casser la gueule, hein. Je vous jure, j'ai aucune idée d'où il est, mais il faudra que je le trouve, hein, un jour, hein, franchement. Hein. Ah, j'ai une empty iron cantina. C'est quel rôle avec Speed 2, t'inquiète. C'est un nouveau rôle ça. Ok, on a beaucoup de level, c'est parfait. C'est impeccable. On va pouvoir se refaire plaisir. Déjà, premièrement, premier truc à faire. Hop. Deux cœurs supplémentaires. Putain, avec un de plus, je pouvais être bien. Hop là. Et voilà, de la vie en plus. Avec un cœur, je pouvais avoir ma deuxième barre de vie. Avec juste ne serait-ce qu'un petit minerai de plus. Hein. J'aurais pu être à ma deuxième barre de vie, ça aurait été exceptionnel. Hein, en vrai, franchement. Ça aurait pu être exceptionnel, mais évidemment, ça n'a pas été le cas. Donc maintenant il faut qu'on se fasse quoi? Il faut qu'on se refasse un plastron. Il faut qu'on se refasse ça. Il faut qu'on se refasse un saber. Et donc pour se refaire un saber, il faut des fils. Et pour avoir des fils, il nous faut de la laine. On transforme en fil. Et pendant ce temps on fait cuire l'or, on fait cuire le silver. Et voilà. Ensuite il me faut des sticks. Donc pour ça on va récupérer ça. Je suis en train de mourir. On va poser ça. Merde, c'est ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Ça, je remets là-dedans. Ça. Ça. Saber. Tac. Et je voulais me refaire une pioche aussi pour fusionner avec ma pioche qui est en train de décéder littéralement après. Allez. It's time to have good enchant. Please, por favor. Tac. Niveau 34, allez. Je vais essayer d'avoir un petit sharpness 3. Si au pire, si je peux avoir un petit bouquin sharpness 3. Allez, sympa en vrai. Unbreaking 3, Unbreaking 3. En vrai, Unbreak 3, je suis chaud. Parfait, on aura un P4, impeccable. Physical protection, je m'en fous. Safeguard, je sais pas ce que c'est. H Destroyer, en vrai, il faut vraiment que... Je pense que je vais reset l'enchant, ça. Craft un arc pour advanced power. Ouais, mais bon. Ah oui, je peux refaire un arc en vrai. Ouais, c'est pas bête ça. Je sais plus comment on le faisait par contre. Il me fallait des fils, je crois. Diamond bow. On peut retester à nouveau. Ah oui, il me fallait 3 fils. Et voilà. Et là, je peux le refaire. Ah, ah non. Ah merde. Ok, Dragging 2 c'est quoi? Turnabout Reverse Hierarchy version 9 Punch. Oh, c'est... Ok, donc c'est anti-KB quoi. Ok, c'est anti-KB. Ouais, bon, non, c'est de la merde. Anti-KB c'est vraiment de nul. Je vais juste prendre je vais reset. Je vais reset. Physical Protection. En vrai, est-ce que Physical Protection c'est bien ou pas? Je m'en rends pas compte en fait, les gars. Oh! 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 Masterclass. Masterclass. Et il est là! Il est là! Oh, la petite fusion Power 4 Flame Infinity! Il est là! Il est là, le frérot! Bon, par contre, j'ai toujours pas de pantalon, hein, mais bon. Il est là!
Il est là en tout cas, ça fait plaisir. Daewon's everywhere. Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle, je crois. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, je crois. Je crois officiellement qu'il va falloir retourner chercher de l'XP. Oui. Parce qu'il faut absolument que j'arrive à avoir un truc ok en fait. Et là je n'ai rien sur ce putain de truc. Et là pareil, il me faut un fucking sharpness 3 là. C'est pas possible, comme ça je me fais une T4. Ça va être exceptionnel. Si j'ai une T4 après dans les donjons, je peux leur péter la gueule en fait. Rendez-vous compte. C'est quand la pêche? C'est jamais mec. C'est jamais en fait. Est-ce que tu comprends ça? Mais on a besoin de passer par là. Je sais c'est relou, mais on a besoin de passer par là en fait. On a besoin d'y passer. Merde, j'ai éteint ma bougie. C'est pas ça que je voulais faire. Merde, c'est pas ça que je voulais faire non plus. On a besoin de passer par là en fait. On est obligé. C'est important d'avoir du bon stuff. Pour pouvoir après terrasser les mobs. Et je parle pas de terracide. Rien à voir. Rien, juste rien à voir en fait. Ça, je vais faire des blocs de charbon. En vrai, ça, je vais dégager, je pense. Hein. Va chercher de l'XP. Ah non, mais je vais clairement chercher de l'XP. En fait, si j'ai un Sharpness 3 là-dessus, les gars, je vais finir. Non. Ah, c'est vrai que j'ai ça aussi. J'ai pénétration 5, j'avais oublié. Je sais plus ce que ça fait par contre. Hein. C'est vrai que je peux fusionner avec ça aussi, j'avais zappé. Oh, et en plus lui il est sweeping mec. Il est sweeping celui-là. Plus 20 d'attaque speed, plus 0.5 de reach distance. Mec c'est une dinguerie. Attends fais voir si je... qu'est-ce qui se passe si je tape. Oh merde. Si je tape avec. Ouais ça tape super vite mec du coup. Bah ouais. Oui non mais les gars, je sais pas pourquoi il y a tout le monde qui pense, je le vois dans le chat, je sais pas pourquoi tout le monde pense que Flame et Infinity sont pas compatibles. Pourquoi tout le monde pense ça? Quelle est cette légende? C'est Flame et Mending qui sont pas compatibles, mais pourquoi tout le monde pense que Infinity n'est pas compatible? Avec Flame, je comprends pas. C'est Mending hein, qui est pas compatible les gars. Ah c'est du loot de mob ça. Hein. Ouais c'est raccommodage et Infinity c'est ça. Donc en fait Flame on s'en fout les gars, je peux le mettre hein. Vous inquiétez pas. Je peux complètement mettre Flame là dessus si je veux regarder hein. Je peux le faire hein. Hop 13 level mais tu vois regarde. Hop là je pourrais avoir mon petit Infinity et qui serait bien sympa. Mais on va attendre hein. On va attendre d'avoir les bons enchants pour pouvoir tout fusionner après. Bon ça prend du temps désolé mais au moins comme ça. Après je suis content de... je serai content du stuff que j'aurai. Franchement on aura un stuff comme Kali. Là on va avoir un P4 hein, quand même sur le Plastron Diams. On va avoir un Protection 4, franchement ça va être sympa. Je pense que là on va pouvoir aller un petit peu s'amuser. Notamment dans les donjons ou ce truc comme ça. Ou même juste plus sur l'exploration, là je commence à avoir un stuff qui est correct. Donc sympa. Par contre il va falloir que je refasse une Spear. Il va falloir que je refasse ça. Il va falloir que je refasse ce truc là. Et je pense que je vais le faire de suite avant que j'oublie en fait. Littéralement. Je vais le faire de suite. Parce qu'il faut que je répare le mien. En vrai ça me plaît trop de faire du stuff là, je vous jure c'est... En même temps c'est pénible et en même temps c'est vachement bien je trouve. Je m'amuse. Hop. Un pole. Tac, un spear. Hop. Voir est-ce que je peux avoir quoi comme enchant dessus. Flying 2, bah c'est ce que c'est de la merde hein. Parce qu'en vrai ça aurait été sympa d'avoir un truc aussi qu'on monte Sharpness 4, tu vois ce que je veux dire. Tu vas perdre le multishot avec Infinity. Ouais mais honnêtement je préfère avoir Infinity que multishot hein, on va pas se mentir hein. Ah oui alors je vais faire un truc tout de suite avant que j'oublie. Comment est-ce que j'améliore ma ceinture, on m'avait dit là. Faut que je les mette tous les deux au même endroit, non, c'est ça? À côté? Comment je fais pour améliorer ça, machin? Dans une enclume? Ah! Ok! Pas mal! Bah vas-y, je vais le faire de suite, c'est pas grave. Il manque un peu d'XP, mais bon, on sera sur 3 levels supplémentaires à récupérer, c'est pas grave. Ok! Parfait, comme ça, moi ça sera fait, et les gens pourront arrêter de me dire après. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu n'as rien fait, tu es nul. Ma gourde il faut que je la garde. Ok pour l'instant je vais tout poser là dedans, ok. Vu que là mon champ a repoussé je vais me permettre d'aller refaire un petit peu de champ rapidos. Hop. Par contre j'ai pas purifié ma flotte là, attendez faut que je purifie ma flotte. Ah, évidemment je n'ai pas récupéré mon truc, c'est terrible. Faut que tu en mettes encore d'autres, ouais je sais mais bon. Après, rappelez-vous, hein, quand j'ai crafté mes boucliers, j'ai mis un moment avant de les utiliser. Donc ça, je sens que je vais mettre un moment avant de l'utiliser, vraiment. Hein. Genre, je sens sincèrement que je vais vraiment, vraiment mettre un bon moment avant de l'utiliser. Donc, on sait jamais. Hein. Hop, voilà, l'XP gratos, très facile. Hop. Ça fait plaisir. Oublie pas la carte pour le blé. Ouais non mais ouais j'ai un peu la flamme hein, je t'avoue. Vaudrait mais bon. C'est ça là. Mais il faut pas que je crafte tout là non.
Il faut que je fasse des wheels. En vrai, vas-y, tu sais quoi? Eh, allez, tu sais quoi? Je vais te faire plaisir, je vais essayer, mec. Allez. Tu sais quoi? Je vais te faire plaisir et je vais essayer. Je vais essayer, allez. Ça donne de l'XP le blé. Eh oui, justement, c'est pour ça que je fais ça. C'est que ça donne de l'XP. Je vais essayer. Je vais te faire plaisir. J'y vais. C'est plot ou c'est carte qu'il faut que je fasse par contre hein? Oh merde. Bah, y aura un bloc hein. C'est plot ou c'est carte? C'est plot. Ok, donc il me faut du bois. Bah vas-y allez, vous savez quoi? Je vais vous écouter. Depuis tout à l'heure vous voulez que je le fasse. Allez, on va le faire. On va se faire du bois et on va se faire des sticks. Voilà, allez. Donc il me faut des wheels. Tac tac. M'en faut deux même. Tac, on se fait deux wheels. C'est ça qu'il faut que je fasse? C'est plot. Hop. On va se faire plot. On va voir. Allez, comment ça marche après ce machin là? Dites-moi comment ça fonctionne. Attendez, je vais faire dodo. Pardon pour ce son de sub extrêmement fort, excusez-moi. Merci beaucoup Tsubasa. Pour les 40 mois de sub, ça fait extrêmement plaisir. Quoi de nouveau depuis la première farm de blé? Bah regarde mon stuff. Protection 3, donc là je vais avoir un autre protection 3, donc je vais me faire un P4. J'ai des bottes de zinzin, je commence à avoir des bons enchantes, donc j'ai bientôt fini de bien me stuffer et on va pouvoir repartir à l'explo. Essayer de choper du lure pour la pêche du coup. Ouais, c'est vrai que choper du lure ça pourrait être sympa effectivement. Mais moi je pense que, mec, je pense vraiment que je vais pêcher là-bas, hein. No fake. Hein. Je pense, regarde, le lac qui est là-bas pour moi il m'a l'air d'être beaucoup plus adapté que ce que je fais quoi. Alors comment ça marche? Comment ça marche hein? Je dois le poser? Pose-le et mets des graines. Ah, ok. Ok. Et je mets des graines où en fait? Parce que là je peux mettre que ça là pour l'instant. Je peux mettre que ça pour l'instant. Ah, faut que je mette des où? Ok, d'accord. Attendez, bougez pas. Je vais faire ça de suite. On va mettre des où en pierre dans un premier temps pour commencer. Faut pas un cheval? Je sais pas, ça m'a l'air bizarre non? Attends, tac 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 tac. Ok, et après? Et après? Et après? Et après? Je veux bien la tirer mais... Mauvais sens déjà. Comment je le récupère déjà ce machin? Comment je le récupère? Oh non. Je suis toujours dans le mauvais sens non? Mais non, je suis pas dans le mauvais sens, non, non, c'est le bon sens, hein, pourtant, je crois. Hein. Alors, moi, c'est pas du tout R ma touche, les gars, mais. Ouais, moi, c'est pas du tout R ma touche. Après, by Dark Makomo, c'est pas carte, c'est plot. Oui, mais tous les autres m'ont dit que c'était plot, donc. Bon, bref, du coup, on disait quoi du coup? L'eau c'est pour labourer. Ok, mon chat est juste nul en anglais en fait, je crois. Mon chat est juste nul en anglais, on dirait moi. Allez hop, attendez, on va refaire, c'est pas grave. Il me faut des wheels, allez hop. Tac. Tac. Je crois qu'on est tous nuls en anglais les gars en fait. Et quoi, je vais crafter le truc là. Ah, il me faut des coffres. FF. Il me faut des coffres. C'est FF. J'ai pas de bois, j'ai rien. Le chat est à l'image de son streamer. Ouais, c'est vrai. C'est bien vrai par contre. Allez. Carte, c'est un chariot pour transporter des trucs. Bah, je sais pas, on va voir. De toute façon, dans tous les cas, on va être fixé. C'est soit l'un soit l'autre. Donc dans tous les cas, si je crafte les deux, on va être fixé. On va vite savoir les amis. Mais après moi ça me va très bien hein, si c'est carte hein. Honnêtement voilà hein. Ça me va très bien hein. Comme ça moi on a les deux et même si c'est l'autre, au pire tant pis on aura essayé hein. Tac 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 tac. Allez tac 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 tac. Il me faut deux coffres. Et il me faut le carte. Alors testons ce carte. Oh merde. Bon, et vous savez quoi les gars? Hop. En voilà un.
En voilà un deuxième. Vous me direz, hein. Voilà. N'empêche, c'est vachement bien fait, je trouve. Les petits modèles 3D comme ça sont vachement bien foutus. Et moi, je peux monter derrière en plus. Oh, mec, en vrai, je peux me faire transporter par mon cheval. C'est une dinguerie, en vrai. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il me faut un cheval. Je suis bien d'accord avec vous. Mais par contre, c'est une dinguerie, hein. C'est trop, trop bien. Oh là 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 là, c'est bien beau. J'adore ces petits modèles 3D là, comme ça, là. Ça me plaît beaucoup. Ah ouais. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Ces petits modèles qui régalousent. J'adore. Petite déco, bah ouais, écoute, ouais. Bon, c'est bon, c'est bon. Stop, 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 stop. Je veux ce machin là. Oui, j'ai fait de la D, hein. Excusez-moi, j'ai fait de la D. Je m'en vais réparer ça de suite. Bonjour madame Meuf, est-ce que j'ai le droit à votre soin? Merci beaucoup, au revoir. Je peux mettre des coffres derrière le chariot. Ah, c'est vrai? Ouais, mais dans tous les cas, enfin, ça sert à rien, quoi. Dans tous les cas, c'est pas ce que je cherchais, quoi. Dans tous les cas. Donc bon. Est-ce qu'on s'en fout? Je crois bien. Je crois bien qu'on s'en fout pour l'instant, en tout cas. À skip, il y a une touche pour les contrôles, c'est Asti Korskar. Asti. Faut couper là. Faut cut là. Stefano il fait quoi? Il est bien Stefano, il fait sa petite vie hein. Action key. Ah c'est ça? J il y a écrit. Ah c'était ça la touche par défaut. Ok, attendez, je vais regarder. Ok. Voir J. J. Non, c'est R du coup. R. R. Ça commence à me les briser, hein, cette histoire. On va mettre ça sur une touche où il n'y a rien. Alors, U. I. O. Voilà, O. Allez, O. Mais ça sert à rien. C'est juste pour replanter. Enfin, c'est juste pour labourer la terre, quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout, du coup. Maintenant, m'aider où? Mais ça va servir à tellement rien, mec. Oh, regardez, regardez. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour la nullité ultime? Regardez. Je le sens venir à 10 km. Hein. Regardez. Moi, je connais ce machin. Hein. Il y avait ça sur Farming Simulator pour la Zilane. Hein. Hop, regardez. On met comme ça. Oh, putain, le bordel. Voilà, c'est parti. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ça va servir à rien. Comme prévu évidemment bien sûr. Comme prévu ça ne va servir à rien du tout. On va regarder, attention. Tac tac tac. Tac. Oh. Ouais. Bah sympa l'XP du coup. Sympa. Bah sympa. Sympa en vrai. Sympa. Ça a niqué mon champ. Sympa en vrai. Sympa en vrai. Je récupère même pas le blé. En vrai, nickel. Ni XP, ni blé. Alors là, c'est vraiment masterclass. Hein. C'est vraiment exactement ce dont on avait besoin. C'est-à-dire que ça n'apporte ni XP, ni le blé. Rien. Ça ne sert à rien du tout. Je pense qu'on est sur littéralement le truc le plus inutile de l'histoire. Hein. Non, en vrai, j'abuse un peu. C'est utile pour faire un grand champ, par contre. En gros, je pense que mon cher Baimakobo, t'as juste donné une information au pif et tu t'es dit, bah comme ça on verra si ça a marché, Gil. Hein, c'est ça que t'as voulu faire, hein. Ouais, c'est ça, genre je suis ton bêta testeur en fait, en gros, c'est ça. C'est ça que je suis en train de faire, c'est ça que je suis pour toi en fait. C'est ça que je suis pour toi. Pas direct dans ton inventaire, oh, bah je pense pas, hein. Mais dans tous les cas, même si c'est dans mon inventaire, c'est nul parce que du coup j'ai pas d'XP. Alors que moi j'ai besoin de l'XP. Donc c'est naze. Essaye le kart. Oh. Attendez. Merci. Voilà, super. Hein. Voilà. Wouh. Wouh. Super. C'est wouh. Super génial. Dis donc, je suis heureux. Oh putain. Non mais je pense que même en mettant du blé dedans ça marchera pas les gars. Enfin, excusez-moi mais bon je veux pas défier les lois de la nature mais je ne vois pas comment.
comment ce petit truc, composé quand même de deux roues et d'un siège, pourrait planter des graines. Alors, je ne vois pas par quel miracle c'est possible. Je pense que Einstein lui-même ne pourrait pas savoir. Là, ça défie les lois de la gravité, là, hein, là je pense. Hein. Si ça plante des graines tout seul, il va falloir m'expliquer pourquoi ça plante tout seul. Hein. Parce que là... Après oui, c'est un stockage portatif, mais j'avoue que je vais pas m'amuser à me balader avec ça. Hein. Il en reste un à essayer. C'est quoi? Transportation carte. Bon, c'est dans le nom. C'est dans le nom, c'est bon les gars, c'est parfait. C'est dans le nom. Putain, il m'emmerde lui par contre. Hein. Transportation carte, les gars, je pense pareil, ça marchera pas. Mais au moins, hey, on a eu l'info. Dans les skills de farming pour replanter. Attends, peut-être que c'est là-dedans en vrai. Oh, make eating a passive task. Mais non. La dinguerie. La dinguerie. Ah ouais, par contre niveau 32 farming hein. Ah ouais, niveau 32, c'est-à-dire le niveau max hein. Le dernier level de farming, tu peux bouffer passivement. Masterclass. Ouais, c'est pas mal en vrai. Hein. C'est vraiment clean. Hein. Bon, attendez, je récolte tout le blé, puis comme d'hab, je vais replanter les amis. Et puis après, je pense qu'on aura les levels pour faire tout ce dont on a besoin. Hein. Désolé, je sais qu'on fait encore du blé, mais bon, c'est la méthode la plus simple pour avoir de l'XP, donc forcément, bah, en profitant. Forcément, hein. Je suis quand même pas fou. Regardez, je suis re-level 30, en sachant que j'ai 30 levels dans mon livre, quoi. Quasiment. Je suis re-niveau 30, là. Ça fait quand même vachement plaisir. Hein. Ça fait quand même vachement plaisir. Il me manque très peu de level pour être niveau 30. Je vais pouvoir me régaler là. Je vais pouvoir me régalouse comme il faut. Le blé, tu peux pas le revendre à un PNJ égale encore plus d'XP. Je pense pas. Ça m'étonnerait. Après, peut-être que t'as raison, mais je pense pas. Honnêtement, ça m'étonnerait fort. Ça m'étonnerait fort que tu puisses en gros farmer à l'infini comme ça. En gros, je vois ce que tu veux dire à peu près, mais ça m'étonnerait fort que tu puisses faire une sorte de... Une sorte de duplication d'XP, ça m'étonnerait fort. Je pense que ça aurait été patch depuis longtemps. Un avis sur les Burger Goods, j'ai pas trouvé ça si incroyable. J'ai goûté, franchement à Montpellier on a des trucs qui sont quand même bien meilleurs en termes de burger que ce qu'on a mangé chez Burger Goods quoi. C'était pas mauvais attention mais je sais pas, ça m'a rien fait de zinzin quoi on va dire. Voilà. T'es passé quoi depuis vendredi? Pas grand chose parce que du coup j'ai live que hier et aujourd'hui. Mais voilà, salut Zeri, merci beaucoup mec. Merci Nicolas. Tu n'as plus le bonhomme pour les dégâts sur les parties du corps? Non parce qu'en fait regarde, je l'ai directement sur... tu vois directement ma vie en bas à droite en fait. C'est l'équivalent du bonhomme en fait en gros Nicolas. Et désolé pour le retard du resub en fait. Le délicieux Big M. Non mais même, il y a un truc qui s'appelle Gomu à Montpellier qui est vachement bon. Et voilà, tu vois, Gomu c'est exceptionnel déjà. Il y a plein de trucs de burgers qui sont vraiment sympas. Honnêtement, hier on a... Enfin, je sais plus quand c'est. Non, c'était pas hier, c'était récemment. Mais on en a goûté un autre qui s'appelle genre Bien Bon Burger. Qui est pas archi bien noté. Eh bah franchement, moi qui suis pas un grand fan de burger, bah j'ai carrément kiffé, tu vois. Alors que pourtant c'était pas de ouf noté sur Uber Eats, alors je sais pas pourquoi, mais... T'es des fois faut pas se poser de questions, hein. Gomu c'est grave cher je trouve pour la quantité. Je sais pas, moi j'aime bien en vrai, ça va. Après quand tu commandes sur Uber ou truc comme ça, tout est cher dans tous les cas, hein. Donc franchement... Les prix maintenant c'est devenu complètement abusé quoi, tu vois. Gomu Montpellier c'est un burger je trouve. Ouais, moi j'aime beaucoup Gomu en vrai. Après honnêtement si un jour vous allez à Montpellier et que vous voulez manger à un endroit où c'est une masterclass, vous allez au Hall du Lez. C'est là où on était ce matin avec Samuel Etienne et en fait c'est vraiment un truc de fou. Genre c'est des sortes de halles littéralement où t'as de tout en fait à manger là-bas. Et t'as de tout, c'est-à-dire que t'as vraiment de tout. T'as toutes les cultures possibles et inimaginables et il y en a de partout. Il y a plein de restaurateurs, il n'y a aucune grande marque, hein. C'est que des trucs indépendants, c'est que des restaurateurs indépendants donc c'est pas des prix non plus de zinzin tu vois. Et franchement c'est trop stylé quoi. C'est là où on était à midi justement, où on allait tourner le truc. Et bah, on a mangé là-bas, bah, c'était incroyable franchement. Ouais, Hall du Lez c'est incroyable et surtout c'est magnifique hein. Surtout franchement c'est très chill, il y a vraiment des petites activités aussi à faire. Enfin c'est vraiment, pour moi c'est un des plus beaux endroits de Montpellier. Tram 3 pour y aller, si un jour vous êtes à Montpellier vous prenez le tram 3 qui vous amène vers vers Latte je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, le tram qui va vers Latte. Vous arrêtez à un arrêt
à un arrêt en question, je sais plus c'est lequel quoi. Vous avez tourné quoi? On a tourné une sorte de petit vlog pour en gros pour la préparation de l'émission Time Out saison 2 que Samuel Etienne va refaire. C'est une sorte d'émission en fait qu'il anime sur Twitch de culture générale, une sorte de grand quiz hein, si tu préfères. Et du coup j'ai été invité pour la saison 2 qui est une émission, enfin qui est une saison spéciale Montpellier. Et en fait en gros ce sera une édition streamer contre viewer. Du coup il y aura 3 streamers dont je ferai partie contre 3 viewers. Et aujourd'hui du coup on est allé rencontrer ces 3 viewers là, voilà. Et ce sera en septembre, donc c'est dans pas longtemps, j'ai pas le droit de vous donner la date mais c'est dans pas longtemps. Voilà. Par contre si je vais à Montpellier c'est pour te voir, pas pour manger. Non mais mec, en vrai, si vous avez besoin de manger à Montpellier vous allez au Hall du Lest. Je vous jure c'est incroyable. Franchement. C'est trop un banger cet endroit. C'est vraiment trop une dinguerie. Vous serez vraiment pas déçu, hein. Si vous êtes déçu vous viendrez m'engueuler mais franchement, je vois même pas comment vous pouvez être déçu. Si vous êtes déçu c'est que vous aimez rien. En gros c'est un peu l'idée. Merci Nabo. Donc voilà. C'est qui les autres streamers? J'ai pas le droit de vous dire. Je n'ai pas le droit de vous dire. Hop. Ouais j'ai pas le droit de vous dire. Faudrait qu'il sorte pour le voir déjà pro bas 5%. Ouais c'est ça. Déjà il faudrait que je sorte dehors si tu veux me rencontrer, ouais. Déjà c'est ça. On est quelle saison là? On est toujours on est late summer. Oh putain on va passer en automne hein. Fait chier. On va passer en automne. Au niveau bouffe je pense qu'on est tranquille là. Vraiment niveau bouffe Combien j'ai cassé de blé là aujourd'hui là? Fais voir. Picked up hein. Ah c'est pas dans bloc, c'est dans item ou c'est dans... Non c'est dans... Ah c'est là. 6976 blé, ça va. Franchement il y a de quoi faire hein. Ça fait du pain. Allez on tente l'enchant. On tente les enchantes sympas. On retente une dernière fois. De toute façon dans tous les cas après il faut que j'aille explo. Merci. Ouais. Ouais niveau 35 en vrai niveau 35 ça me fait un peu chier quand même. J'avoue que en fait je me demande. Ouais bon vas-y allez niveau 35 allez. Pas non plus si dégueulasse. Pas non plus si insane. Ça aurait pu être un peu mieux quand même hein, que niveau 35 mais bon bref. T'as dit quoi l'eau pardon sauf en été? Que je sors pas? Ou que je sors? En vrai cet été je suis moins sorti en vrai. Sans savoir UHC World trop bien. Merci beaucoup 5 up le rat. Merci mon gars. Ouais c'est pas encore parfaitement parfait mais on va tâcher de faire en sorte que ça le soit. Je crois que je vais être obligé de reset mon enchant. Je vais être obligé de reset l'enchant. Je vais prendre un bouquin. Sturdy. Winter Grace 1. Oh Efficiency 4, ok. Oh oh oh, ça peut m'intéresser le FI4 hein. En vrai Instability 1 c'est mort. Le FI4 ça peut carrément m'intéresser parce que du coup j'ai déjà une autre pioche FI4 et du coup on pourrait faire l'FI6 et c'est carrément ce qu'on va faire du coup vu que j'ai que des enchantes de merde. Hop. Mais donnez-moi, et je vous en prie, donnez-moi protection ou donnez-moi, je sais pas, un sharpness, mais donnez-moi quelque chose en fait, je vous en prie, là je... J'ai pas droit au bonheur en fait, c'est une dinguerie. Décision 2, je sais pas ce que ça fait. Donne-moi du sharpness quoi. Oh protection 3, je suis obligé de prendre. Allez, hop. Pff, enfin déjà. J'ai toujours pas sharpness, hein, c'est une dinguerie quand même. Hein. Je n'ai toujours pas sharpness. Eh les gars, je vais enchanter des bouquins nuls jusqu'à ce que j'ai sharpness, hein, je vous le dis. Voilà. Éducation 2, oh vampirisme, on m'avait dit que c'était bien je crois, non? On m'avait dit que c'était bien je crois, ça il me semble. Hein. Est-ce que je prends mending sur la truc? En vrai si je cumule vampirisme face au truc, en vrai ça peut être pas mal hein, en vrai. Est-ce que j'ai le droit, attendez, est-ce que je peux cumuler vampirisme et éducation? Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui savent hein, peut-être hein. C'est un vol de PV à guess, non mais c'est sûr. Mais la grande question c'est est-ce que éducation qui vole déjà des PV... Ah non non, ah non, et, bah oui, non non, mais oui, parce que éducation c'est pas des PV, c'est de l'expérience en plus, donc du coup effectivement je vais prendre ça. Bon j'ai vampirisme 1, c'est pas putain, terrible. Ouh, merci iPanda sur Twitch, merci pour les 10 subgifts, exceptionnel ça. Merci beaucoup, ça rattrape les subgifts de la mort, c'est ça? Des morts aujourd'hui qui ne sont pas encore apparus. Merci mon ami, ça fait plaisir. Un grand merci à toi. Hop, ok, alors là pour l'instant les gars, on s'apprête à faire l'arme la plus badass hein, actuellement là. Merci beaucoup mon ami, ça fait extrêmement plaisir. Là on s'apprête à avoir une arme. Bon le truc c'est qu'il me faut quand même une vraie sharpness. Et on s'apprête à avoir une sharpness éducation vampirisme. Ça pourrait être vachement sympa, ce qui fait que je draine de la vie. Et en plus de ça je gagne plus d'XP. Il faut vraiment que je parte. Vraiment que j'ai tout ça avant d'aller explorer quoi. C'est hyper important. Bon j'ai toujours pas ce qui m'intéresse cependant. J'ai toujours pas ce qui m'intéresse. Ah ça serait peut-être bien que je fusionne avec ça. Non du coup. Attendez. Faut que je me refasse encore un saber. J'ai l'impression que je m'arrête pas d'en faire, hein. C'est terrible. Hein.
Encore que je m'en refasse un. Ça j'enlève. Il me faut un fil, il me faut ça. Et vous savez quoi, je vais en faire plein de ces machins là, parce que j'ai l'impression qu'il m'en faut tout le temps. Saber, hop. En vrai, est-ce que je tente? Est-ce que je tente le beau jeu? Allez. Merci fumé. Dinguerie. Masterful. Dinguerie, la meilleure qualité possible. La meilleure qualité, Masterful. J'ai une chatte énorme. Alors là, la chance est insane. J'ai même pas besoin de le fusionner avec le protection. Hein. Allez hop. Au lobby le protection. Hein. J'ai même pas besoin de le fusionner. J'ai un qualité Masterful protection 3. La qualité max. Parfait. Et en plus, ça me fait sauter encore plus haut, dites-vous. Hein. Ça me fait sauter encore plus haut. J'ai un double jump en plus. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est pas le Legendary le mieux? Ah, c'est Legendary ou c'est Masterful? J'ai pas, moi, on m'a dit que Masterful c'était pas mal. Hein. En tout cas. Oh, éducation 3. Les gars, j'ai trop envie de reprendre éducation 3. En fait, j'ai envie de prendre éducation 3 parce que je me dis que en vrai, s'il y a sharpness avec. Hein... Legendary donne des PV, donc je pense que c'est mieux. Ah, ok, Legendary c'est mieux. Ok, non, je vais être obligé de prendre éducation 3. Je vais être obligé de prendre ça. Advanced Fire Aspect 2. Oh non. Oh non, c'est horrible. Oh non, c'est horrible. Je dois faire. J'ai un dilemme là. Advanced Fire Aspect 2, donc c'est-à-dire Fire Aspect en mieux. Oh non. Qu'est-ce que je prends? En vrai, Fire Aspect c'est gaze. Hein. Non, mais mec, là, Fire Aspect c'est pas gaze économique. Fire Aspect 2 c'est insane. Mais c'est Fire Aspect 2 Advanced. Le pool de qualité n'est pas le même entre les outils. Ok, ok. C'était, tu me conseilles quoi? Advanced Fire Aspect 2 ou alors Éducation 3 qui me donne plus d'XP quand je tue les mobs. C'est horrible. Très sympa comme aventure, merci TBFX. Merci Olifabi aussi, merci infiniment. Je suis anti-éducation? Quoi? T'es contre l'éducation? C'est abusé. Bah attendez, je vais screen ça parce que franchement, hop. Si Twitch peut faire quelque chose contre ce message, bien sûr. Hop, je suis anti-éducation, hop. Fire Aspect 2, il a dit c'était. Après en soi, j'ai déjà éducation. En vrai, les gars, j'ai déjà éducation 2. En vrai, j'ai déjà éducation 2. Sur les bouquins. Bon, vous savez quoi? Moi, je vous propose un truc. C'est que déjà, cette question actuellement, là, maintenant, tout de suite, ne se pose pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'XP. Donc, vu que là, j'en ai rien à foutre. On va clairement vite aller faire de l'XP. Parce que là j'ai besoin de cette XP en fait, j'en ai besoin. Là je veux cette XP. Là ça m'a hypé là mec, ça m'a hypé en fait. Moi je suis team Fire Aspect, ah ouais. Vous êtes team quoi vous? Team éducation ou Fire Aspect hein? Je sais pas, moi vraiment les deux me donnent envie hein, franchement. Les deux me donnent envie hein. Regardez l'XP que ça donne le blé, non c'est n'importe quoi. Hein. Vraiment le blé c'est trop n'importe quoi en termes d'XP. Hein. Tiens regarde l'eau, pourquoi je disais que ça va te plaire. Le blé donne de l'XP dans cette version. Du coup c'est comme ça que j'XP moi. Toi qui aime bien l'agriculture. Dans les cités, trucs comme ça. On va pas s'en plaindre, écoute. Ah mais mec, moi je me plains pas du tout. Hein. Franchement ça donne tellement d'XP, c'est n'importe quoi. Et encore j'ai pas pris le truc qui me donnait plus d'XP avec ça. Hein. Remplis ton livre d'XP avant de reset, comme ça tu gagnes des bas niveaux pour reset, tu vas gagner énormément de temps. Mais oui t'as raison le J, je suis trop bête hein. Mais oui t'as raison de ouf hein. Non mais t'as raison de fou, bah oui oui non mais oui oui il a raison en fait. Tu as complètement raison, c'est un truc que j'aurais dû faire quand au lieu de reset tout à l'heure. En vrai mettre de l'XP pour une cité sur de l'agriculture je trouve ça, je trouve être, ça être une excellente idée. Voilà, une excellente idée pardon. Oh non. Oh non, l'event aléatoire, il est là. C'est quoi Boulder Dash? Alors, Boulder Dash. Qu'est-ce que c'est Boulder Dash? Les amis, RL Craft, Random Event. Alors, Mob Event, Boulder Dash. Boulder Dash spawn des hordes de Geonash because they weren't annoying. Ok, ah ok, ça fait juste spawner des mobs quoi. Ça fait spawner des mobs de merde. Ok. Rock and roll in your grave.
Voilà. Ça va vous sinon? Ça va vous les gars? Bon ça va super, franchement ça me fait plaisir. Je trouve qu'on est vachement bien ici. Ça se passe bien, on est bien. Voilà, il y a que des trucs golden qui spawn. Donc on va évidemment attendre hein, bien sûr. Je sais pas que ça a foutre quand même d'aller fight ça. Donc voilà, ils sont chauds les mobs. Oh non non mais c'est pas qu'ils sont chauds, c'est juste que c'est chiant quoi en fait. C'est les mobs vous savez qui sont en cave là, qui me tirent des lasers là. On a en cave quand on casse des minerais. Bah voilà, il y en a de partout en fait. Il y en a de partout. Après je peux les buter mais moi... Oh non mais non 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 oh. J'avais pas vu les niveaux. J'avais pas vu les niveaux les gars. J'avais pas vu les levels en fait. J'avais pas vu les niveaux. Non non on y va pas. En cave ils sont niveau 2, 3, 4. Et là niveau 12 on y va clairement pas du tout hein. Non non niveau 12 on y va pas. Déjà on va attendre que ça ne spawn plus les mobs. Et puis après on ira. Voilà, Boulder Dash is no spawning mob anymore. En bas il y a un niveau 8. Vu mes FPS les gars, je pense qu'au niveau des entités, j'ai 472 entités les gars. Ah mais oui mais après parce que je regarde là où il y a le blé en fait. De toute façon dans tous les cas. XP dans le livre. Ah ouais j'avoue. Sauf que j'ai un problème, c'est que j'ai pas de pioche là team. J'ai même pas de pioche sur moi là. On va avoir un big problème hein, les gars. On va avoir un big problème les gars. Ah mais oui je l'ai posé le bloc, je l'ai posé en haut de toute façon. Oh bah voilà. On va attendre que ça despawn hein. On va attendre que ça despawn et moi franchement vous savez quoi, je suis quelqu'un dans la vie qui a envie d'aller faire pipi. Elle souffle la 3080 là. Ouais ouais là elle souffle là. Bon. Moi écoutez, je vais prendre le risque d'aller pisser en attendant que les mobs despawnent. Je reviens. J'ai oublié de mettre les pubs, c'est vrai, j'ai oublié de mettre les pubs. Bah ouais, j'ai oublié les gars, j'ai oublié. Bon anniversaire en avance Astra, même si faut pas le sauter en avance, je sais. Alors ce qui est un peu relou les gars, c'est que là j'ai Bowl de Rush alors que je n'ai pas de pioche sur moi. Ça sent la mort là. Ça sent la mort les gars. Est-ce que ça despawn au bout d'un moment les gars? Est-ce que ça despawn ces machins au bout d'un moment? Bon ça va despawn j'espère. Normalement les mobs des events ça despawn. Il y a un ami à moi qui veut te voir. Ah oh, ça me fait peur. Il y a un ami à moi qui veut te voir, il est niveau 12, il est sympa. Ok c'est cool en vrai. Quel genre de joueur n'a pas de pioche sur lui? Bah en même temps j'avais pas prévu que l'event aléatoire allait arriver pile au moment où j'allais faire du blé quoi. Merci Zortox. Il y a despawn. Il y a despawn non. Les flèches passent pas au milieu des deux blocs. Si normalement ouais X-Rider. Putain mais X-Rider 70 mec tu te dates de ouf toi. J'avoue. Merci Zortox hein, pour le prime, ça fait plaisir. Ouais sinon je peux le taper à travers ouais. Mais là je crois qu'il a despawn le ref hein. Mais il y en a encore beaucoup hein Brant hein. Lui ça va il est niveau 8 mais bon j'ai pas de quoi le taper, c'est ça le problème. Naze. J'ai rien dans mes trucs hein. Oh merde. J'ai rien là-dedans les gars. Ouais sinon recal potion effectivement ouais. De toute façon je vais attendre de voir si ça despawn. Si ça despawn pas j'utiliserai ma recal potion sinon ouais effectivement.
Tape avec le blé. Effectivement. Attendez, on va voir. Est-ce que ça a dispo ou pas ce mob là? J'ai l'impression que ça a dispo de l'autre côté. Hein. Ah ouais, c'est bon, ça dispo, ça dispo. Ça dispo, je crois. Petit à petit. Sinon, je recale potion. Hein. J'ai rien dans, dans le truc là. Il y a une fée, merci la fée. Hein. T'as pas une pioche dans le tool belt? Non, j'ai rien les gars, j'ai rien, j'ai rien. Les drops augmentent-ils avec un plus haut niveau de mob? Je pense pas, je crois pas. Non, au pont nager ça marche pas, on est en 1.12 donc je crois pas que la. La nage avait pas été update à cette époque là, si? Ah, peut-être que si en fait, hein. Est-ce que c'est la mort? Easy? Easy? Easy non? Facile. Facile cet event, facile hein. Trop facile. Ah c'est la 1.13 la nage, ouais c'est mort. C'était quoi la mise à jour 1.12? C'était quoi? 1.13 c'est la nage, 1.14 c'est les villages, 1.15 c'est le nether, 1.16 je sais plus, 1.12 c'était quoi? Les, le béton de couleur, attends c'est vraiment ça la mage 1.12, le béton de couleur. C'est vraiment très grave. Hein. Ah, il y avait les manoirs aussi en 1.12. Ouais, ok, la mage était naze du coup. C'est vraiment ça la mage. Elle était triste un peu cette mise à jour, non? Enfin, je sais pas, je la trouve un peu triste. Hein. Nether, c'est pas 1.16. Ah oui, t'as raison, c'est 1.16, pardon. Oui, pardon, excusez-moi, vous avez raison. Ouais, pardon, pardon, my bad. Alors moi par contre, franchement, je suis tellement nul pour savoir qu'est-ce qui est sorti dans quelle version sur MC, je suis vraiment à chier. Hein. Je suis vraiment à chier. Bon désolé, j'ai 2 FPS quand je casse le blé, en même temps c'est normal vu le nombre d'entités qu'il y a. Et puis encore, il y a 1000 chiens aussi dans ma base aussi, ça aide pas trop je pense. Mais bon. Ouais, je suis vraiment naze pour savoir ce que... Les lits de couleurs, les blocs de couleurs, etc. Ok, donc c'était les trucs de couleurs quoi. Ok. En vrai, c'est un peu mid hein, comme mise à jour ça, hein, franchement. Hein. Mid hein, comme mage, les lits de couleur etc, pff, rien quoi. En vrai vous pensez là, c'est si demain vous deviez faire une mage chez Mojang, imaginons voilà, vous êtes je sais pas, je vais vous mettre un contexte hein. Vous êtes responsable de la prochaine mise à jour chez Mojang là, c'est à dire que c'est votre idée et votre idée seulement qui sera utilisée. Qu'est-ce que vous faites End update hein. Ouais, j'ai l'impression qu'on veut tous la même chose hein. J'ai l'impression qu'on veut tous la même chose. Bon, il y a deux choses. End update, ou alors la possibilité de laisser aux joueurs le choix de remettre potentiellement l'ancien système de cooldown, l'ancien système de knockback avec les mobs, etc. qu'il y avait en post, enfin en pré 1.9. Ce qui fait qu'on pourrait enterrer définitivement toutes les versions inférieures. Si tu laissais la possibilité aux joueurs dans une option, dans une game rule ou quelque chose comme ça, simplement, tu laisses une game rule qui dit bah là voilà vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre serveur, c'est soit l'un soit l'autre. Pas une PVP update tu vois qui change tout, mais juste la possibilité en fait de remettre l'ancien avec juste une game rule. Voilà, ça serait littéralement moi le truc que je ferais, ça et une end update en mettant des biomes comme il y a dans le Nether. Littéralement. Voilà. Et on demande pas grand chose, on demande une game rule, voilà. Littéralement. On demande une game rule, et moi j'ai encore espoir que ça arrive un jour. Hein. Cette game rule. Parce que là ça serait vraiment le... Je pense que ça serait la révolution de ça en France. Hein. Ça nous permettrait, nous, communautés en fait, qui sont du PVP, de pouvoir en fait avoir plein de nouveaux trucs, quoi, hein, littéralement. Hein. J'y crois encore à cette game rule. Hein. Franchement, c'est déjà développé, hein, ça reste dans MC, donc c'est déjà dev, tu vois. J'y crois encore. Hein. Ça pourrait être sympa, mais bon. Je pense que la mage de Lens, ils l'ont pas encore fait car ils veulent faire un truc clean. Ah non, mais bah, encore heureux, tu vois, qu'ils ne sortent pas un truc à l'arrache. Mais bon, enfin, en vrai, là, 1.21, à part le crafter, le reste, je trouve ça un peu mid. Hein. Franchement, là, de ce que j'ai pu essayer... Wolf was doom to fall, mais comment c'est possible hein. Mais comment c'est possible? Il n'y a pas de chien à côté de moi. Comment c'est possible qu'un chien soit mort, là? Il y a un chien qui a fait sa vie tout seul.
1.21, mis à part ouais, les Trial Chamber, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Franchement, je pareil, encore une fois, c'est un truc qui est oubliable, je trouve, surtout. Ça apporte pas de truc de zinzin, on va dire, donc c'est un peu oubliable. Encore, t'aurais eu un item unique ou quoi, je dis pas. Mais alors, c'est vrai que là, pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est pas insane. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a la masse. Et la masse, tu peux l'obtenir que... Pourquoi ils ont pris cher? Pourquoi ils ont pris cher, eux? Ah, la masse, tu peux l'obtenir que dans le truc? Ouais, mais pareil, est-ce que la masse, c'est vraiment si incroyable que ça? Genre, vraiment, je me rends pas compte, en fait. Vous trouvez pas un peu ça oubliable, pareil, la masse? Ah, mais c'est parce qu'il y avait un mob ici qui faisait juste des dégâts. Il y avait un mob qui faisait sa vie, en fait. C'est trop fort, ok. En vrai, la masse, c'est drôle à jouer. Ouais, mais je veux dire, genre... Et ça change pas grand-chose, non? Je sais pas. Je sais pas, je me rends pas compte. Pour moi, c'est... ça. De ce que j'en ai vu, la masse me semble être pas si intéressante que ça, mis à part que c'est... Voilà, c'est... Oui, elle peut être cheatée, mais bon... C'est pas une révolution dans le gameplay, tu vois ce que je veux dire? C'est une arme pour taper, quoi. Enfin, je sais pas. Ça change quoi en termes de gameplay, à part les dégâts, je veux dire? C'est ça le truc en fait. À part les dégâts, qu'est-ce que ça change? Ouais, ça one-shot le Warden, ça je sais, ouais, mais bon. Rien, voilà. Rien, hein. Ça change rien dans le gameplay, hein, à part les dégâts. Je sais pas. Après, j'ai pas encore trop testé vraiment plus que ça la 1.21, donc. Mais de ce que j'en ai vu en tout cas, ça me donnait pas. Enfin, je trouvais pas ça si insane. Pour moi, la dernière mise à jour de zinzin qu'ils ont fait, bon, mis à part là, le crafter en vrai, ça par contre, ça peut être révolutionnaire. Mais la dernière mage vraiment insane pour moi qu'ils ont fait, c'est la mage du Nether. Pour moi, c'est la meilleure mise à jour de ces dernières années. Je trouve ça incroyable ce qu'ils avaient fait à ce moment-là. Merci Fristick. La 1.16 pour moi, c'est de loin la meilleure mage qu'ils aient fait ces dernières années. C'est vraiment super cool. Koh-Lanta ou le stream de guild? Mais Koh-Lanta, tu peux regarder en rediff. Le stream de guild, tu peux pas regarder en rediff. Hein. Parce que tu peux pas interagir avec le chat. Non, moi je vais regarder après. Je vais regarder en mangeant. C'est quoi votre mise à jour de Minecraft préférée, vous? S'il y a une mise à jour que vous retenez comme étant la meilleure mise à jour de MC pour vous. La meilleure nouveauté, tu vois. 1.13. 1.13, c'est quoi? C'est la nage? Oh putain, mais il y a encore ce gros chien là, vraiment. Oh, les gars, regardez mon arc. T'es mal à la gueule de l'arc avec les trois flèches de flame qui partent dans tous les sens. Non, c'est énorme. Ah ouais, non. Hop, attendez deux secondes. Hop, voilà, super. Bon, niveau 34, est-ce qu'on a le droit au bonheur ou c'est comment là? Est-ce qu'on a droit au bonheur? Allez, un stack de E-ball en plus. La snapshot patate, zéro débat. Ah oui, c'est vrai qu'ils font des snapshots aussi troll un peu comme ça. La cave update a changé des vies. La cave update, putain, moi je... Qu'est-ce que je n'aime pas cette mise à jour, sans déconner. La cave update, quoi. Genre vraiment, la cave update, je trouve les nouvelles... Elles sont belles, hein, mais à jouer, je les trouve tellement pas marrantes. Genre c'est... Et oui, elles sont mieux que les anciennes, mais je sais pas, je les aime pas vraiment, j'arrive pas avec ces caves. J'arrive pas à prendre du plaisir à chaque fois que je joue dans ces grottes. En fait, je pense que j'aurais pris plus de plaisir si la fucking Deep Slate ne mettait pas 400 ans à être cassée avec une pioche. Je pense que là, je m'amuserais peut-être un peu plus. Car t'es un joueur UHC, mais sinon elles sont banger. Mais non, mais même en survie, mec, hein, tu vois, quand je fais de la survie ou des trucs comme ça, je n'aime pas les nouvelles grottes, 1.1.1.20. Je m'amuse pas, genre. En fait, je m'amuse pas, genre, quand t'es en grotte et que tu cherches des... Enfin, quand t'es dans les basses couches et que tu cherches des minerais et que t'es là, tu dois trouver une grotte parce que tu mines de la Deep Slate à 2 à l'heure. Le but de la Deep Slate, c'est d'éviter le minage en ligne droite. Ouais, je suis d'accord, mais du coup, bah, quand t'es dans un endroit où il y a pas de grotte, tu fais comment? Tu fais rien, quoi, tu remontes. Et après, c'est pour ça, c'est que ça me correspond plus vraiment à moi, en fait, je pense. Peut-être pour les gens qui découvrent Minecraft aujourd'hui, en fait, effectivement, ça les oblige un peu à aller dans les mines, etc.
Mais en fait, bah moi les caves, il y a plus aucune difficulté dedans, donc on va dire que quand je suis en grotte, c'est pour récupérer du stuff le plus vite possible, donc forcément, bah c'est pour ça en fait. C'est pour ça, c'est que je pense qu'en fait ça correspond surtout aux nouvelles personnes qui découvrent le jeu, mais moi, bah un peu moins quoi. En fait. Parce que maintenant, je connais beaucoup de trucs sur le jeu, donc voilà. Hein. Après, c'est mon avis, je pense. Mon avis. À mon sens. Bon, bref. J'ai pris ma décision et je prends Advanced Fire Aspect 2. Et voilà. Eh bah écoutez, eh bah on va prendre Advanced Fire Aspect 2. Water Aspect 4, Advanced Fire Aspect 2. Mais qu'est-ce que. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh bah voilà, on a double Fire Aspect 2. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, par contre, on a toujours pas Sharpness. Hein. Bon, après, en soi, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un Sharpness en sachant que nous avons déjà un livre Sharpness qui traîne quelque part? Vive l'argent, l'outil de régulation des échanges économiques. Où est-il? Il est là. Parce que sinon, en vrai, ce que je fais, c'est que là, je mets... je pense que je mets Sharpness sur mon... Attendez, on va essayer de faire un truc clean, ok? Je pense que je mets Sharpness sur mon truc ici. Je pense que je fais... Ah, ça m'enlève... Oh, vampirisme n'est pas compatible avec Water Aspect. Hein. Ok. Bon, après, je préfère vampirisme hein, quand même. Je préfère vampirisme. Tac. Tac. On va voir ce qui est compatible ensemble. Parce que là, je mets ça, je mets ça. Je mets ça, je mets ça. Là, j'ai plus de level. Et là, il me faut 13 levels pour avoir... Ah, et du coup, pénétration n'est pas compatible avec... Je sais pas c'est quoi. Pénétration n'est sûrement pas compatible avec éducation. Bah à la limite, pénétration, j'en ai un peu rien à foutre, donc je vais garder ça. En vrai, c'est pas mal. Sharpness 3. Bon, ça fait moins de dégâts que ma truc, hein. Mais en vrai, dans les donjons, pourquoi pas. Sharpness 3, Fire Aspect 2, éducation 2, vampirisme 1. Pourquoi pas, ça me fera plus d'XP dans les donjons notamment. Je récupérerai de la vie au niveau des donjons, et en plus de ça, ça leur fera plus de dégâts. Pourquoi pas. En plus, on est en sweeping, donc c'est sympa. Et là, maintenant, il faudrait que je fusionne ça et ça, en sachant que là, j'ai sweeping... Sweeping c'est carrément mieux, donc on va fusionner. Voilà, 20% d'attaque speed aussi. C'est vrai que j'ai 20% d'attaque speed, donc en vrai ça je vais le laisser là dedans, regardez. Ça en vrai je m'en fous. Voilà, je pense que j'ai mes deux bonnes armes là en vrai. J'ai déjà éducation 2, c'est pas mal, on mettra éducation 3 plus tard. On a ça pour se balader dans le monde où on a la Fire Aspect. Et en plus l'avantage d'avoir Fire Aspect 2 sur mes deux armes, c'est que la bouffe, hein. C'est finito maintenant en fait. La bouffe, je n'ai plus besoin de m'emmerder, je trouve des mobs dans la nature et je suis bon en fait. Et je suis bon. Ça, je vais pas l'utiliser de toute façon. Par contre, il y a autre chose que je voulais faire. C'est fusionner ces deux trucs-là. C'est fusionner ces deux trucs-là. Et je pense que c'est assez important. moins 5 d'attaque damage. Bon, on s'en fout un petit peu, j'ai l'impression. Ça va juste me faire chier en cave, en fait. Hein. 13 niveaux. Ah bah, de toute façon, dans tous les cas, j'ai pas le choix. Donc, on va mettre... Il me faut 9 niveaux. 9 niveaux, je peux fusionner. J'aurai le FI 5. Et on va pouvoir mettre le truc qui me donne FI 6, les gars. Oui, j'avais déjà du pain, mais bon. Fusionne le bouquin Lifesteal aussi. Ah ouais, il est où Lifesteal? Ah bah c'est lui en fait, oui. Ah ouais, je peux le prendre. Du coup, j'ai vampirisme et Lifesteal. En vrai, c'est sympa. Ok, il me faut 18 levels et j'ai fini. 18 niveaux et j'ai terminé. Voilà, et il faudra que je répare ça aussi, avec une pioche neuve. Sauf que, est-ce que j'ai une pioche neuve? Est-ce que j'ai du diamant encore pour faire une pioche neuve? Je crois pas. Je crois pas. Et ouais, parce que ma pioche neuve, elle est là en fait. Bah ouais, ma pioche neuve, elle est ici. Du coup, faudra que je retrouve du diamant. Bon, après, j'en ai pas besoin tout de suite maintenant. Mais voilà. Il me faut voilà une récolte de blé et c'est bon. Il me faut 18 levels. 18 levels, c'est une récolte de blé et c'est fini. Et après, bah, on retourne à explorer un petit peu. Merci, Erza. Ta RL craft bien. Ouais, ça va, tranquille, franchement. C'est très bien. Le plastron P4. Ah oui, c'est vrai que j'ai un Infinity aussi à faire. Oh putain. Bon, ouais, c'est pas grave. Vas-y. On commence par ça. Là, il me reste des fusions à faire. Et de toute façon, ça va assez vite. Hein. Regardez, ça va assez vite. Désolé pour, comme d'habitude, les FPS. Hop, niveau 15. Ah oui, c'est vrai, le plastron, j'en ai besoin, effectivement, vous avez raison. Ouais. Et voilà, et normalement, j'ai assez d'XP, là. Voilà, niveau 18, parfait. Allez, on n'en parle plus. Je récupère juste tout le blé. Quoi qu'en soit, maintenant, je commence à tellement plus en avoir besoin du blé, franchement. Faut juste que je le replante pour avoir de l'XP. En fait, limite, maintenant, niveau bouffe, je suis tranquille. Donc en vrai le blé je m'en fous un petit peu, à la limite pour reproduire les mobs. Mais sinon là le blé me sert juste actuellement jusqu'à l'hiver à faire de l'XP quoi. De l'XP de zinzin. Après une fois que j'aurai ça je vais aller farmer des donjons je pense.
Et l'XP que je vais obtenir, je vais pouvoir là-bas augmenter mes skills énormément grâce à l'enchantement éducation 2 là qui va me mettre vachement bien. Je pense. Ouais, ça me sert pour les moutons, mais mec, attends, vous savez le nombre de stacks de blé que j'ai là? Vraiment, je crois qu'on réalise pas hein, ce que j'ai dans le coffre là-bas. On réalise pas, hein, j'en ai vraiment un sacré petit paquet quand même. Hein. Quoi, tu veux FI6 même? Bah pourquoi pas. Parce que j'ai un bouquin FI5, donc pourquoi est-ce que je pourrais pas le mettre en FI6? Surtout qu'en plus, c'est même pas un livre enchant, c'est une sorte d'upgrade à appliquer. Et ça fait quelques temps que je l'ai trouvé, donc j'ai carrément envie de tester, voir ce qui se passe, tu vois. J'ai carrément envie de tester. Ah bon. Salutations distinguées, mon très cher créateur de contenu vidéaste Minecraft Gaming préféré. Bah c'est très gentil mec, non, ça va super bien. Salut Guild, tu peux prendre ta boussole, je suis tout à l'heure, j'aimerais commencer RL Craft. Ouais si tu veux. Je peux te donner, les coordonnées de l'endroit si tu veux éventuellement, si t'as besoin d'y aller. Il y a un truc au-dessus. Ah, non c'est bon. C'est mon ombre à moi-même. Ouais je peux te donner les coordonnées si tu veux. Si tu veux venir au même endroit et commencer au même endroit, je peux te donner ça sans aucun problème. En vrai je vous conseille vraiment de commencer ce modpack, c'est vraiment... Bon par contre vous allez mourir vraiment beaucoup de fois au début. Mais en vrai si vous avez un bon spawn, honnêtement vous pouvez aller quand même assez vite je pense. Louper un endroit où planter ça me stresse. Ah ouais? Ah merde. Je cherchais ma boussole de suite. Elle doit être dans mon BP je pense. Oui le début est chiant quand t'as pas de lit. C'est pour ça qu'en vrai si vous voulez débuter le jeu et pas vous faire chier, vous prenez ma seed là. Vous allez aux coordonnées que je vous donne. Après en soi j'ai LHF hein, pour aller aux coordonnées. Il faut quand même que vous ayez une boussole hein, mais bon. Elle est là. Voilà mes coordonnées de la base c'est moins 8600, 8700. Voilà. Est-ce que je peux avoir un petit récapitulatif de ce qui se passe bien sûr. Là depuis le début de ce live je fais essentiellement beaucoup d'XP. Pour pouvoir me procurer un stuff énorme. Et en fait j'ai profité du fait qu'on était en été. Bon là on arrive en fin d'été donc c'est mort. Mais j'ai profité de l'été pour en fait farmer à fond les champs. Ce qui me donnait de l'XP de zinzin à chaque fois. Et du coup ça m'a permis d'avoir un bon stuff. Oh non les gars comment je vais faire, j'ai plus d'enclume, quelle galère. Et là du coup j'ai un stuff qui est plutôt sympa. Je finis mon stuff là et puis après comme ça on va pouvoir un petit peu aller se balader. C'est quoi que je voulais faire déjà de base? Je voulais fusionner quoi et quoi déjà? Ah mes pioches hein. C'est vrai. Hop 9 levels. Et du coup là normalement, comment ça marche ce truc là maintenant? Ça a carrément marché. Efficiency 6 on break 3. Ça a carrément fonctionné mec. Ça a carrément marché de ouf hein. C'était hyper simple. Il suffisait juste de le mettre dans la main en ayant Efficiency 5 et voilà t'as l'Efficiency 6. Let's go! Lifesteal sur l'épée avec vampirisme. C'est ce que j'ai fait. Regarde, c'est ce que j'ai fait, ouais. C'est ce que j'ai fait, ouais. Lifesteal avec vampirisme. Du coup, ça va être sympa. Je pense qu'on va avoir des bons trucs là. Dans les donjons, ça va être sympa. On devrait vraiment réussir. Et voilà. Et il me reste le P4 à faire. Et on est bon. Il me reste le P4 à faire et on est bon. Et du coup. Ah non, et il y a le Infinity aussi à faire. Attendez, voyons. 13 level déjà. Ok. Et là, ça va être le malaise là. Et là, ça va être le malaise. 5 levels ou alors de l'autre côté si on veut garder le bon enchant 13 niveaux. Donc 13 niveaux et 13 niveaux. En vrai je pense qu'on va faire 13 niveaux et 13 niveaux. Ça sera plus simple. Comme ça je peux garder ma bonne qualité protective. C'est plutôt sympa parce que sinon là je pars avec 0 qualité et c'est dommage. On va faire comme ça. Et j'aurai un P4 hein. En vrai on va faire ça. On va commencer par l'arc si vous voulez bien. 13 niveaux. 13 niveaux c'est rapide à faire. J'ai juste à replanter. Très rapide. C'est la nuit, je dodo, ça me heal, c'est parfait. 26 niveaux total mais on va faire 13 et 13. Ça ira beaucoup plus vite que faire 26 et 26. Alors ce que je peux faire c'est récupérer mon livre d'enchant. Regardez. Hop. Ce que je peux faire c'est récupérer mon livre d'enchant. Dès que je suis niveau 13 je stocke tout et je continue. Oh, je l'ai one shot mec hein. Je l'ai one shot le ref là. Ok. 13 niveaux et 13 niveaux à faire. Ça va aller très vite hein. Dès que j'ai 13 levels je les stocke dans mon livre. Ensuite je prends les 13 autres niveaux et puis après je vais fusionner. Voilà. Hop, hop, je stocke. Et là maintenant je récupère. Et je récupère les 13 autres. Et normalement on est bon. C'était 13 et 13 non c'est ça les gars. Aïe 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 Yazi. Ah ouais c'est pas les mêmes structures. C'est bizarre, pourquoi c'est pas les mêmes structures. Allez ciao.
Voilà. Et on est bon. Et là j'ai juste à replanter et c'est fini les gars. On a fini le stuff hein. En tout cas pour l'instant. Ce qui était quand même bien sympathique. Je trouve on aura quand même bien profité de l'été hein. Le blé nous aura quand même bien carré la gueule. Et du coup je suis passé de protection 1 à full protection 3 et un plastron P4. Ça, ça n'a pas changé mais c'est Advanced Fire Aspect 2. Et j'ai une nouvelle arme qui est assez sympa quand même aussi, qui va venir un peu changer pas mal de choses. Et mon arc surtout, j'ai Infinity. Donc finalement le temps de farm que ça m'aura pris, qui a été quand même relativement long, aura été quand même assez worth. Allez dégage toi. Let's go. Je viens de commencer. Comment on a du bois au début? Alors pour avoir du bois, il faut que tu prennes des... faut que tu te fasses des outils en silex. Et pour avoir des outils en silex, il faut que tu ailles avoir du silex directement. Donc c'est à dire tu vas chercher du gravier, tu obtiens du silex. Et ensuite il faut que tu trouves de la stone ou de la cobble et que tu fasses clic droit avec le silex sur la cobble. En fait ça va la transformer du coup en... enfin, ça va faire des morceaux de silex en fait. Et c'est avec ces morceaux de silex là que tu vas pouvoir faire une hache. Non c'est pas une hache, c'est une... Au début il faut faire un couteau je crois. Faut faire un couteau en fait en flint si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, en fait faut faire du flint shard. Et en fait tu fais un couteau grâce aux feuilles. Quand tu casses des feuilles t'as des sticks hein, tout simplement, t'as des bâtons. Et avec ça tu peux faire du coup des premières armes. Et je crois que c'est comme ça que tu peux avoir du bois au début. Voilà, si je dis pas de conneries. C'est pas facile mais en vrai regarde ma rediff hein. Regarde la première rediff sur ma chaîne YouTube si tu veux. Et tu vas voir, en vrai c'est pas très compliqué. Ça paraît compliqué quand je dis comme ça, mais en vrai vous en avez pour 2 minutes. C'est vraiment très très simple. Et oui, vous pouvez pas couper le bois naturellement quoi. D'ailleurs c'était pas mieux Advanced Efficiency 3 que Efficiency. Si, mais en fait vu que l'autre pioche dessus il y a le foutu enchantement tunneling, bah, je ne peux pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que dans les donjons tunneling, en fait ça casse un bloc mais ça casse également tous les blocs autour. Et du coup quand tu veux casser un bloc pour par exemple, je sais pas, te faire un petit passage pour pouvoir tirer sur un mob et que ça casse tout et que tu te prends tous les mobs dans la gueule, eh ben c'est de la merde. C'est pour ça que je préfère me balader avec ma pioche Efficis quand j'explore. Parce que du coup cette pioche Efficis elle me permet bah, de... Du coup de faire des donjons en minant rapidement mais en plus de ça en n'ayant pas de merdier quoi. Après Efficis ça reste quand même pas mal hein, ça one shot quand même, ça one shot tout quand même hein, je pense normalement. Hein. Ça doit one shot la stone je pense donc. En deux pioches, bah le problème c'est que l'autre pioche elle est malheureusement, elle a plus de durabilité. J'aurais bien aimé mais elle a plus de dura. C'est le problème. Et bah si je veux la réparer, il faut que je retourne miner du diams. Que actuellement j'ai un tout petit peu la flemme de faire. Voilà. Eh bah écoutez, on a assez hein, on a tout hein. Bah, je vais laisser un peu le blé qui reste, je m'en fous. De toute façon j'en ai tellement du blé mec, j'en ai plus rien à foutre maintenant. J'en ai plus rien à faire du blé, j'aime tellement de blé. Je veux pas de spoil donc je pars. Merci Yazi, t'inquiète, y'a pas de soucis. Ne t'en fais pas, y'a pas de problème. Bonne soirée. Hey, regardez-moi ça. Regardez-moi ce truc sympa. Du coup j'ai ma pioche Efficis qui traîne là. Et du coup il me fallait faire mon protection 4. Toujours avec la bonne qualité évidemment, en sachant que maintenant j'en ai un qui est masterful. Et il me restait à faire le Infinity. Le Infinity évidemment bien sûr. Ah c'est 13 niveaux. Bah oui non mais je suis con, oui. J'ai pas pris l'XP en fait. Hop. Le Infinity. Eh ben je crois les amis qu'on est vachement bien maintenant hein. Je crois qu'on est vachement bien. Ça y est, je crois qu'à partir de là maintenant on va plus se faire chier avec les flèches déjà. On a bien step up quand même hein. J'ai raté quoi en 30 minutes? L'upgrade de mon stuff. Protection 3, protection 4, protection 3, protection 3 avec plein de trucs. Fire Aspect 2 et cette nouvelle arme qui va me servir dans les donjons. Donc vampirisme, lifesteal qui permettent de subtiliser la vie des adversaires et de me heal moi-même. Sharpness 3 qui fait des dégâts, Advanced Fire Aspect 2 qui met en feu et éducation 2 qui donnera plus d'XP sur les mobs. Donc sympa. Voilà, on a un bon stuff les amis. Le carquois est inutile désormais effectivement, donc on va pouvoir le poser. Et on va récupérer ces petites torches qui sont là pour les mettre dans mon BP, même si actuellement ça ne me sert à rien. Tout de suite là maintenant, d'ailleurs il m'en faut un petit peu sur moi. Je vais les poser là-haut, il n'y a pas de place. Je vais les poser, là. Voilà, hop. Parfait, ça fera le taf, c'est impeccable. Je repose mes petits minerais, je retrie mon stuff et puis après on va pouvoir retourner un petit peu explorer maintenant qu'on a un peu tout upgrade. Ça fait plaisir quand même, on va pas se mentir. Ça je sais pas à quoi ça sert ça. Ah ça peut me servir dans les donjons en vrai donc je vais le garder. Le quiver qui ne sert à rien donc on va le poser, là-dedans, hein, ça sert plus à rien de toute façon. La recal potion je la garde bien sûr, là ce truc ne sert à rien. Ouais on a une vraie torche et même regardez j'ai eu des torches vanilla également dans mon backpack. Ils sont là, j'ai 63 torches Vania, d'ailleurs attendez, 63 plus 1 ça fait 64 exactement. J'ai 64 torches qui traînent là donc c'est quand même vachement pratique. Les trucs de betterave on va les mettre là dedans.
les torches pas allumées, on les fout là-dedans. Ça, on en a rien à faire. Vous savez ce qui serait bien avant que je reparte, peut-être, je pense, c'est que je refasse un peu des bandages, parce que j'en ai plus. Je pense, ça fait longtemps que j'en ai pas refait, et je pense que refaire des bandages, ça pourrait être une bonne idée, à mon avis. Parce que là, j'en ai pas trop, hein. Donc on va s'en refaire un petit peu. Et au pire, on ira reproduire les moutons après. Hop. 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 Et hop. Voilà. Là, on a quelques petits stacks de bandages supplémentaires. Ça fait plaisir. Au pire, on pourra toujours reproduire les moutons. Mais là, je pense que ça va. On est plutôt OK. On a 4 stacks de bandages. Dans le BP+, on en a sur moi. L'XP tome que je vais foutre là-dedans, même si ça ne sert à rien pour l'instant. Ça, je garde là-dedans. Le Bowing Stone, je vais le sortir. On va le poser. Ça sert à rien. La deuxième table d'enchant, on va la poser aussi, mais elle me servira sûrement plus tard quand j'aurai besoin de faire des crafts, notamment la table de désenchantement. Ça, j'en ai plus besoin, mais je garde quand même. La selle, j'en ai plus besoin, du coup, je vais la foutre là-dedans, là, pour l'instant. Et les pansements, je les garde. Et voilà, on est bien. Voilà. Et comme ça, là, je peux repartir un petit peu à l'explo. Ça fait plaisir. La houe qui ne me sert à rien, on va la poser là-dedans. Est-ce que je peux enchanter mon bouclier? Putain, c'est vrai que j'ai pas enchanté mon bouclier, les gars, en vrai. C'est con, hein, j'aurais pu enchanter mon bouclier et je l'ai pas fait encore. Hein. Fais le ring de strength, ouais. Unbreaking 2. J'aime quand c'est rangé. Moi aussi, j'aime bien quand c'est rangé. J'avoue, je suis quelqu'un d'assez maniaque. Alors, ça se voit pas forcément sur Minecraft. Mais dans la vie, j'aime bien que ce soit assez rangé. Spike 1. Qu'est-ce que c'est, Spike 1? Ah, pas mal ça, hein. Prends un peu plus de bouffe, hein. Ouais, ouais, après la bouffe, vous inquiétez pas, honnêtement, avec le fait que j'ai failli respect 2, c'est bon. Pas du tout, on le voit pas. Non mais je vous jure, je suis très maniaque pas sur MC malheureusement, mais je suis très très maniaque dans la vie d'une manière générale, même dans toute la vie, hein, dans tout ce qui se passe dans la vie. J'aime bien que ce soit bien rangé et pas que ce soit le bordel. Et là pour le coup, bon, sur MC ça se voit pas parce que j'ai un peu la flemme de trier, quoi. Mais ouais, c'est pas mal le cas, quoi. Ok. Bah vous savez quoi, je vais vous faire chier, hein, je pense. Mais je suis bien chaud d'aller me prendre un peu d'XP pour me faire mon bouclier et de mettre l'enchantement Spikes dessus. Tu fais beaucoup le ménage. Ça dépend, en vrai. Ça dépend, mais j'aime bien quand ce soit quand même propre chez moi, que ça soit pas le bordel chez moi. Ça, ouais. Bon, je dis ça, mais là c'est un peu le bordel dans mon bureau depuis un petit moment, quand même. Voilà, donc c'est un peu vrai, mais en même temps c'est un peu faux. C'est un peu le bordel parce que j'ai acheté plein de matos son et que j'ai pas eu le temps de mettre, quoi. Donc bon, prends le ring de strength dans ton coffre. Ouais, je vais le mettre. Après, de ce qu'on m'a dit, le ring de force ne sert pas trop tant que tu n'en as pas deux. Après, je peux toujours en faire un deuxième, au pire. Je peux faire deux. C'est vrai qu'à la limite, dans les donjons, je peux enlever mes deux rings de speed 2 et je peux mettre les deux rings de force. Effectivement, ça peut être sympa. Et ça me ferait beaucoup plus de dégâts sur les mobs. Ça peut être sympa, effectivement. Je vais prendre un peu d'XP, on sait jamais si je peux avoir un bon enchantement sur le truc. Au pire, s'il me reste de l'enchant, vous savez quoi? S'il me reste des levels, eh ben on améliorera un skill supplémentaire et c'est parfait. Un ring de fire résistance, je peux faire ça même? Ring fire résistance. Ça n'existe pas, je crois, si. Non, ça n'existe pas, hein. Jump boost, hast, speed. Régénération, résistance. J'ai résistance tout court, mais le Earth of Diamond, je ne l'ai pas. Ça peut être sympa en vrai. J'avais pas vu le champ depuis l'épisode 2, il a bien step up. Ouais, t'as vu, regarde. Et le pire, c'est que vraiment, bon, j'en ai beaucoup profité, hein, de ce champ là dans cette saison. Parce que le champ. Mais attends. Du coup, j'ai encore multishot avec Infinity. Ah, d'accord, ok. Ah, ouais, d'accord, ça va en vrai. Ah, oui, ça va, c'est pas trop fort en fait. Hein. Ça va. Et comme tu peux le voir, en fait, le champ c'est assez broken parce que ça donne de l'XP, quoi, et c'est trop trop fort. Et du coup, j'ai bien profité de cette saison, j'avoue que je l'ai bien utilisé cette saison. Et je me suis fait beaucoup d'XP avec le blé et surtout beaucoup de nourriture. Donc ça a été une grosse journée de farm un peu aujourd'hui. C'était peut-être pas la journée la plus intéressante, mais franchement, je pense qu'on avait besoin de passer par là. Hop, et j'arrive niveau 30, ça fait plaisir. Putain, ces mobs de merde, par contre, c'est vraiment merde. Ces mobs de cons là, ils me font chier. Heureusement, je vais pouvoir les dodo. Allez, je replante ça en vitesse. Histoire que ça soit pas que ce soit pas de la merde, mais voilà. C'est quoi le truc volant en dessous de sa base? Ça, c'est un roc que j'ai réussi à mettre dans un bateau.
Et du coup que j'ai réussi entre guillemets à pas apprivoiser encore, mais l'objectif c'est de l'apprivoiser. Et du coup là j'ai réussi comme j'avais fait tout à l'heure, comme j'ai fait lors du premier jour avec les Aegis, à le faire monter donc au niveau 2 en termes de connaissances. Et maintenant la prochaine étape ce sera de réussir en fait à pouvoir l'apprivoiser pour pouvoir ensuite monter dessus et pouvoir voler littéralement en fait avec. Et du coup ce sera beaucoup plus pratique en fait pour se balader. Si on a un mob volant, bon il n'y a même pas de débat, hein, c'est beaucoup plus facile. Hein. J'aime beaucoup cette musique, je vais clairement la noter hop dans ma playlist. Il y a le skill pour replanter. Ah ouais? Mais c'est où? Oh, Brainwing Speed, c'est sympa. C'est où? Je viens de revenir, tu as déjà eu l'event aléatoire. Ouais! Et c'était un truc de merde, j'ai juste réussi, je me suis juste caché, ça marchait tout seul quoi. En farming, y'a rien dans farming hein. Y'a rien dans farming hein. Y'a rien du tout hein. Je crois que c'est un enchant plutôt pour ça. C'est peut-être un enchant ouais, c'est possible que ce soit plutôt un enchant, je vais pas vous mentir. Je regarde les rediffs sur YouTube car je vois pas trop, car j'ai pas trop le temps de passer sur le stream. Je vois que tu as bien avancé, tu es stuff diams protect combien? De plus la mafia UHC sur Railcraft ça peut être drôle. Ouais mais alors faire un gros serveur avec tout le monde je sais pas. Mais pourquoi pas, en vrai on pourrait essayer de faire un gros serveur avec tout le monde, ça pourrait être sympa. Même pas forcément avec la mafia, mais avec plein de streamers qui pourraient être intéressés. En vrai, je pense que c'est vraiment un mode pack qui peut carrément intéresser du monde. Genre, je pense que Kenny, par exemple, je sais qu'il voulait refaire des SMP sur Minecraft. Et je pense que ça pourrait être cool. Ou pourquoi pas se faire ça, peut-être à l'international, tu vois. Par exemple, je sais qu'il y a des potes brésiliens qui aimeraient bien refaire des trucs sur Minecraft. Pourquoi pas se faire un serveur avec eux, tu vois, ça pourrait être sympa. Pas forcément un truc uniquement entre nous, mais essayer plutôt, au lieu de rester tout le temps entre nous, d'essayer de s'ouvrir avec d'autres... d'autres streamers qui pourraient être intéressés, parce que pour une fois qu'on fait pas de l'UHC, ça serait vachement dommage qu'on reste encore une fois cloîtré dans notre petite partie de communauté, tu vois ce que je veux dire. Une cité RLcraft hein. Ouais bon, avec des mods ça va être compliqué. Hein. Mais ça pourrait être stylé, tu vois, genre franchement, je sais que j'ai des amis brésiliens avec qui j'ai fait le QSMP Purgatory qui sont carrément chauds de refaire des événements sur Minecraft, ah, ben voilà quoi. Désolé pour cette explosion dans vos oreilles, merci Etienne pour les 69 mois et le mois prochain ça fera 70. C'est exceptionnel. Le mois prochain, ça fera beaucoup. Hein. On arrive bientôt à pas mal d'années. Hein. 6 ans de sub bientôt, Etienne. Hein. 6 ans de sub consécutif. 6 années, une année consécutive. Effectivement. Ouais, bah J par exemple, je pense qu'elle pourrait être intéressée par ça. Mais je sais que même par exemple, les autres étaient assez chauds, tu vois. Tous les autres avec qui on a joué, franchement, ils étaient vraiment, vraiment tous chauds. En plus récemment je sais que les Brésiliens ils ont dit en live qu'ils voulaient refaire des trucs sur Minecraft et que si on les invitait ils viendraient avec grand plaisir. Donc je l'ai entendu, j'ai vu un clip passer justement où les Français demandaient si ça les intéressait de rejouer avec nous et ils avaient dit oui donc ça pourrait être sympa quoi. Oh oui, Ocean Glaze, incroyable cette musique de Tunic bien sûr. Ouais Rayou pareil ça pourrait l'intéresser mais je pense faire un petit serveur. Après je sais pas, je crois que... D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que j'envoie un message. J'envoie un message à quelqu'un concernant autre chose. C'est bien que tu me parles de Rayou là parce que ça m'a fait penser à quelque chose là. Mais bon, il y a un skill pour plant a round player normalement. Parce que moi dans le skill, ah j'ai peut-être pas encore débloqué peut-être je pense hein. C'est peut-être ça. Parce que pour l'instant j'ai les plantes qui a round player with this ability will grow faster. Hein. Ça c'est pas mal. Hein. Ça c'est pas mal. Hein. D'ailleurs je pense que c'est le prochain truc que je vais prendre je pense. Bah d'ailleurs dans tous les cas j'ai même pas le choix. Hein. Faut que j'augmente farming en fait. Hein. Je pense que augmenter farming c'est un bon bail hein, en fait là. Parce que ça ferait pousser plus vite les trucs. Oh, en vrai, oh là là, l'été prochain, les gars, l'été prochain, je pense qu'avec ce skill, on va se faire des couilles en or en termes d'XP. Il y a tout d'affiché de base. Bon bah ok, c'est mort. Pas du tout, hein, j'envoie juste un message. Pardon. Pa pa pam, parata. Go détester l'été. Ah ouais? De toute façon, farming et magic, c'est bon. Oh! Oh, quand ça va dispawn, ça clignote! What the fuck? On est dans Mario ou c'est comment là? Quand ça dispawn, ça clignote, c'est incroyable hein, en vrai. C'est combien de temps une saison? C'est 21 jours in-game. 21 jours in-game, donc ça correspond à 7 heures si tu ne skips pas les nuits. 7 heures de jeu. Si tu skips les nuits, ça c'est beaucoup moins. C'est divisé par 2, c'est 3,5 du coup. Après, tu peux un peu tricher et faire comme moi, parce que moi j'ai un peu triché avec les saisons.
Et tu peux crafter un hamac le jour qui te permet de dormir le jour et un lit qui te permet de dormir la nuit. Voilà. Donc histoire de tricher un max quoi. Super. Ah ça me donnait de l'XP ça. Je vais mourir. Attendez. Tu comptes refaire ça? Si jamais j'en ai besoin, ouais, mais là pour l'instant j'en ai pas besoin. Attendez, j'ai failli crever là. Ma tête elle a failli se faire one shot les amis. Je pars, tu fais du blé, je reviens, je fais du blé. Non mais t'inquiète, j'ai fini. Je faisais du blé mais c'était normal, c'est parce que j'avais besoin d'XP là. J'avais besoin d'XP rapidement. Ah super. Bon, j'ai tué Siphano les gars. J'ai tué Siphano la team. Je suis désolé. J'ai tué Siphano. On refera Siphano, c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas besoin de Siphano. Il est où mon livre d'enchant là? Hop. Parce que, croyez-moi, mais. Franchement, le truc qui donne 20 000 points d'XP, je vais me le faire. Hein. Il est où? Non, me dis pas qu'il a des pop, quand même. Non, ça va, il est tout là-haut. Allez hop, masterclass. Hein. C'est quoi ça? Quoi ce machin? Quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce machin? C'est quoi ce truc? Ouah, le truc a failli ça m'a one shot mes jambes hein, les gars. What the fuck. Dernier live Railcraft que j'ai regardé, les subgifts étaient encore à 5. Bah alors t'as regardé que le premier, parce que c'est faux. Hein. On a vraiment changé ça littéralement au bout de 5 heures de jeu, donc bon. T'as regardé que le premier. Et c'était où que je l'ai tué? Je l'ai tué là, non? Ah non, c'était là. Oh les levels, regardez-moi ces levels qui arrivent là. Oh regardez-moi ces levels. Oh là 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 là. Oh les niveaux qui arrivent mesdames et messieurs. Oh que oui. Ça je sais pas à quoi ça sert mais je vais le récupérer. Ouais ouais la jambe mais vous inquiétez pas. C'est très rentable en tout cas d'avoir pris autant de dégâts. Gododo pour régène. Ouais mais vous savez ce que je vais faire avant de régène? Hop. 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 Attendez. Ça me fait chier. Hop. Hop. Okay, super super super. Voilà. Et avant de régène les amis, il est temps de se mettre bien. Hop là, parfait. Attendez, je répondais juste à un petit message sur Discord. Ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Hein. On va poser là-dedans. Ah non, c'est des loot de mobs en fait, ça en soi. Hein. Bon, allez, vas-y, je mets là-dedans. Et du coup, on remange un cœur. Tac, 2 barres de vie. Et qui dit 2 barres de vie, mesdames et messieurs, dit on dort et ça nous régène tout. Let's go, ça fait plaisir. Est-ce que c'était le dernier cœur qu'on pouvait ajouter ou c'est comment? Est-ce que c'était le dernier cœur? Je crois que ouais. Hein. Merci Pipoun LPB. Merci Pipoun, tu régales. Knockback 2. Knockback 2, je suis pas fan. Hein. Knockback 2, je suis vraiment pas fan. Hein. Ah ouais, Knockback 2, c'est pas la folie, hein, Knockback 2. Hein. Par contre, j'ai bientôt plus de lapis, il va falloir que je retourne miner du lapis, un de ces 4. Knockback 2, je suis pas fan du tout. Hein. Alors. Oh. Ah bah ça, mes gars, ça, je peux te dire que Power 4, je vais clairement le prendre. Hein. Ouais. Je peux te dire que Power 4, mon pote, je vais clairement le prendre. Hein. Ok, oui. Sharpness 3, je peux te dire que je vais carrément le prendre. En protection 2, j'en ai rien à foutre. Hop, allez, je reset. Est-ce que j'ai quoi là-dedans qui peut être intéressant? Ok, c'est de la merde, je reset ça. Break 3, j'ai Spike 1 ici. Ouais, fais voir. Ouais, c'est quoi en power défense? Quoi? Quoi? Pourquoi Fire Aspect sur le bouclier? Hein? Pourquoi Fire Aspect? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le seul moyen d'avoir plus de cœur là c'est de reforge tes bubbles pour Undying. Ok ouais d'accord. Comment c'est possible là? Test en SAR. Ouais mais si c'est nul. Mec si c'est nul on fait comment? Je suis mort non?
Ça enflamme peut-être les ennemis qui te tapent. Ouais, c'est possible, mais enfin, pour moi, Fire Aspect, c'est vraiment Fire Aspect. Hein. Attends, enfin, je vais regarder, mais... Ah ouais, non, c'est quand je tape avec le bouclier, quoi. Tu prends un coup dans le shield, ça crame l'ennemi. Tu penses? Vous pensez? Je sais pas, c'est bizarre, non? En vrai, Osef du bouclier. Non, c'est important. En fait, pas Fire Aspect, mais... Attends, en vrai, je vais pas prendre Fire Aspect, ça me fait un peu... C'est un peu bizarre, Fire Aspect. Hein. Je sais pas, vous mytho, Fire Aspect, c'est un peu chelou. Hein. Ah, c'est pas Fire... Non, c'est Fire Aspect classique. Ouais, donc ça sert à rien. Ah, c'est quand je tape avec. Ouais, d'accord, donc c'est de la merde. On est bien d'accord. Ok, super. C'est de la dé. C'est de la dé, donc évidemment, on va pas prendre ça. On va encore reset. Hein. Désolé, hein, je prends du temps, mais au moins en vrai, il me manquait que le bouclier, donc bon, je me dis. Ça peut être sympa. Et là, j'ai quoi? Fire Aspect 2 encore, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, enfin, s'il vous plaît? Fire Aspect 2 en fait. Respectez-vous un petit peu. Respectez-vous. Pourquoi tu mets des blocs autour pour baisser les levels, hein, de la table d'enchant, hein. Mais arrêtez-moi ça! Qu'est-ce que c'est que ça? Empowered Defense. Attendez, Empowered Defense. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Empowered the Shield Defense gives you a chance to negate shield from being disabled and being dis. Ouais. 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 Bon, j'ai encore 5 possibilités de reset avec les niveaux là. Et après, il faut que je prenne obligatoirement l'enchant level 30 qu'il y aura. J'aurai pas le choix. Ou alors je prendrai autre chose. Après, on va se barrer. Il est quelle heure? Il est 21h30. Mais c'est bon, on a large le temps en plus. On a large le temps de prendre du plaisir là. Unbreak 3. En vrai, sinon, je prends Unbreak 3. Mais bon. C'est quand même pas terrible en vrai, Unbreak 3. Hein. Faut pas se mentir. Quand on peut avoir un truc mieux qu'Unbreak 3. Le seul truc que je trouve bien, c'est le shield. Sur le shield, Empowered Defense. Ok. D'accord. Bon bah si je l'ai, vas-y. Hein. Sinon je prendrais Unbreak et puis voilà. Hein. Ah putain, t'es pas con toi. Bah ouais, je peux me mettre sur la deuxième table d'enchant. Hein. Natural Blocking, c'est quoi Natural Blocking? Bah, dis-moi que c'est ce que je pense. Quand tu portes un shield, le shield va naturellement bloquer, enfin un pourcentage de bloquer naturellement le dégât pris. Ok, ce dégât est pris sur le shield au lieu du porteur. C'est pas mal ça en vrai. Allez, pourquoi pas. Vous savez quoi? Pourquoi pas. Pourquoi pas, allez. Turns 2. What the fuck. En vrai, un shield passif, c'est insane pour les gens comme moi qui, pareil, n'utilisent vraiment pas du tout leur shield MDR. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Sharpness 3. Oulalalalala. On passe en Sharpness 4 sur l'épée. Et 12 levels pour passer en Power 5. On en est quand même pas loin. Ça fait plaisir. Allez, j'ai fini là. C'est bon. J'ai terminé. N'empêche, je suis content là. On a fait un truc sympa. On a du bon stuff maintenant. Je suis quand même assez content. Je suis fier de mon stuff là. Ça fait plaisir. Hein. Wielding, pas Wearing. Donc il y a une différence. Hein. Wielding. Torn, c'est pété, tu vas renvoyer les dégâts même dans la seconde main. Ouais, c'est possible en vrai. Moi, j'aime bien mon bouclier, là, il est sympa. C'est quoi, block and left click to shield bash? Fais voir. Attends, block and left click to shield bash. Ah, mais je peux mettre des coups avec ça, putain, mais what the fuck. Ah, mais oui, c'est pour ça, le fire aspect. C'est genre, tu bloques et tu tapes le mob avec. Tiens, prends ça dans ta gueule. En fait, c'est un sorte de combo que tu mets. Chaque plante a une saison pour pousser et donc pour pouvoir farm l'hiver, faites passer le message. Oui, oui, je sais très bien, t'inquiète. Je sais que tu peux farmer l'hiver aussi, ouais, ouais. Mais je crois que c'est des plantes un peu plus relou en fait. Tu le faisais en plus la dernière fois, je pensais que tu savais. Ah, mais pas du tout, mec. Mais carrément pas du tout, mec. Hein. Mais carrément pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Hein. Vraiment, j'en avais aucune fucking idée, hein. Je peux le dire. Hein. Je peux te le garantir, j'en avais absolument aucune idée. J'en avais aucune idée. Ok les gars, j'ai besoin que vous fermiez les yeux 2 secondes. Vous me dites quand vous avez fermé les yeux, ok? Bon, vous avez fermé les yeux? Ok. Gardez les fermés jusqu'à ce que je le dise, hein. Bougez pas. Hein. Vous gardez les yeux fermés. Hein. Ok, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Hop, là vous pouvez pas me le dire forcément, mais gardez les yeux fermés, ok? Vous bougez pas. Vous dites rien, vous faites rien. Pour l'instant ça va, vous gardez les yeux fermés, pas de soucis, il se passe rien, hop. Voilà, vous gardez les yeux fermés.
Ça se passe bien, voilà, tout est ok, tout est bien dans le meilleur des mondes, voilà, y a pas de soucis. Fermez les yeux encore. Ok, n'ouvrez toujours pas, bien sûr, les yeux. N'ouvrez toujours pas, hein, c'est toujours pas bon. Hop, c'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est bon. Et voilà, Power 5. Masterclass. Masterclass, en vrai. Voilà. Comment t'as fait? Je sais vraiment pas du tout comment j'ai fait. Hein. Pourquoi le son a coupé? T'inquiète, c'était pour. C'était vraiment pour au cas où, quoi, tu vois. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oh, wow, what the fuck? Attends. Tu t'es mis en créatif. C'est exactement ça, je me suis mis en créatif. Comme tu peux le voir ici. Je viens de me mettre en créative, comme tu peux le voir. Et non, c'était une blague, je suis allé refaire du blé. Eh oui. Je suis allé refaire du blé en fait, en soum soum. Ça m'a pris littéralement 10 secondes, hein, vraiment. D'avoir assez de level. Hein. C'est fou comment le blé c'est broken. Hein. Ça m'a pris 10 secondes, mec, d'avoir assez pour fusionner. Regardez, je gagne encore de l'XP. Putain. Tu peux expliquer le mode? Bah, en gros, c'est très simple. C'est un mode pack qui est extrêmement difficile. C'est pas non plus le mode pack le plus dur du jeu, je pense, mais quand même, c'est assez dur. Et en fait, bah, t'as plein de mobs en plus. T'as des dragons, t'as des trucs de zinzin qui se passent dans le jeu. Voilà, y a un truc que j'ai pas replanté, je sais, j'ai la flemme. Hop. En vrai, non, je suis trop maniaque, je suis obligé de le refaire, désolé. Hop. Oh non, j'ai pas de ou ici. Mais elle est où, ma ou? LOL. Vous l'avez ou pas, l'équipe? Elle est dure, celle-là. Je crois qu'il faut vraiment que vous réfléchissiez pour la voir, celle-là. Et en gros, c'est un mode pack assez compliqué, donc là, l'objectif pour moi, c'est d'aller finir évidemment le jeu, ça c'est peut-être une évidence. Sauf que pour finir le jeu, eh ben, bon courage mon pote, hein. il va me falloir pas mal de stuff. Hein. Là, pour le coup, je pense que je suis au tout début encore du jeu. Et pourtant, dites-vous que je suis quand même assez bien avancé. La preuve étant que je suis au jour... Où est ma cloque? Elle est dans moi. Bon, elle est peut-être là-dedans. Non, bah, elle doit être dans mon BP, hein. Voilà. Je suis jour 125, mesdames et messieurs. 125. C'est quand même pas mal. Hein, ça joue quoi? Jour 125, ça commence à jouer un petit peu, hein, on va pas se mentir. Bon, de toute façon, dans tous les cas, honnêtement, jour 125, c'est sympa, mais vu que les jours sont comptés, les dodos aussi, je pense que quand je ferai la vidéo, je ferai pas juste les 100 premiers jours. Genre, je vais faire une vidéo où t'as littéralement... T'as littéralement bah tout quoi. Ah oui, upgrade ta ceinture, c'est vrai, je peux faire. Ou t'as littéralement ouais tout quoi. T'as plein de trucs avec. Hein. Belt. Comment ça se craft ce machin déjà? Ah oui, il faut de l'or, des fils et du laser. J'ai plus de laine, je crois. Ah si, oh là là. Oh là là, j'en ai beaucoup trop. Et merci Alix. Et merci aussi à Kwaepe. Bon, comment vas-tu? Ça va extrêmement bien. Merci pour les 50 mois de sub. Ça fait plaisir. Il me faut du gold. Hein. Ouais. Il me faut du gold. Heureusement que j'en ai. C'est combien max qu'on peut faire? Non, c'est pas ça. C'est ça. Il me manque quoi? Ah, il me manque les fils que j'ai pas fait. Bah oui, bah, bravo. Bravo l'abruti. Tac. C'est combien max que je peux faire? 9? Ok. Hop. Après, il faut que je fusionne quand même. Donc là, ça me coûte de l'XP, ça. Malaisant un peu. Hein. Malaisant, là. Merci pour le reset. Fermez les yeux, vite fait. Fermez les yeux en speed, là, pour voir, vite fait. Ok, ok, vous avez fermé, c'est bon. Ok, on y va. Merci, ça fait Ruby. Oh non, pas encore. Oh merde, il faut que je dorme, putain. Faut que je dorme. Non mais les gars, c'est trop important de bien se préparer. C'est trop important. La ring de force, c'est TP. Oui, il faut que je fasse une ring de force aussi et que je l'emmène. Bordel, c'est vrai. Merci, ça fait Ruby. Faites-moi penser. Attendez, je finis ça et vous me faites penser à la ring de force après, ok? Vous me faites penser, s'il vous plaît. T'as commencé le champ, fallait le finir. Putain, c'est vrai. Oh là là. Faites-moi penser à la ring de force, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Oh là 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 là. Bon, allez, ça suffit. Ça suffit. Faites-moi juste penser à la ring de force, on est bon. C'est quoi la version du mode pack? C'est la dernière. Littéralement la dernière en date.
Allez. 8 levels. À quoi la ceinture? À avoir en fait, en gros quand tu l'as équipée sur toi, avoir un slot, en fait, avoir une sorte de barre d'inventaire supplémentaire en fait. En gros. Ok, quand même assez pratique hein. 8 levels, hop c'est bon. On les a, allez on y va. T'as une sorte de barre d'inventaire supplémentaire, ce qui fait que tu peux porter plus d'outils sur toi. Ok, quand même bien 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 pratique hein, on va pas se mentir. 12 levels. Rapproche l'enclume, ouais en vrai ouais, de fou. De fou mec. Ring de force, ring de force. Ouais, vous inquiétez pas, je vais la faire, je vais la faire, je vais la faire. 12 niveaux on a dit hein, pendant que j'ai 2 FPS à peu près. Avec les entités qui sont autour de moi. Tu m'étonnes, MDR. Allez, 12 levels, c'est bon, je les ai. Hop, stop les levels. 15 niveaux. Bon, j'arrivais pas à faire jusqu'au bout, mais au moins elle sera bien améliorée. Waouh, mec, mes FPS, hein. Oh, oh là 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 là, il y a tellement de trucs au sol. Tu m'étonnes. Ah, c'est fini, tout mon PC, il va exploser avant la fin du live, hein, je pense. Hein. Mon PC va juste décéder là-dessus. Hein. Allez, 15 niveaux, c'est bon. C'est quoi qu'il faut changer pour voir les membres de chaque cœur? Alors, il faut que tu ailles dans mode option, tu tapes first. Tu vas avoir le mode first AID. Tu cliques sur config, tu vas dans overlay. Et tu mets la même chose que moi, display mode, earth, bottom right et normal. Un level. Bon les gars je crois que c'est mort, hein. On n'aura pas les 20 niveaux là. On les aura pas. Hein. Ah ouais non on les aura pas du tout. Bon je vais les prendre quand même. Hein. Et si je les ai pas, si je les ai pas je les mettrai dans mon livre d'XP. Hein. Au pire non j'améliorerai une compétence et puis voilà c'est bon. Oh là là, le oh, FPS, oh aïe, j'ai 2 FPS, mon PC va exploser mec, sérieux. Mon PC va exploser mec. Mon PC va exploser avant la fin. Allez, je replante, je suis obligé de replanter les gars, je replante tout une fois, mais là promis j'arrête. C'est bon, c'est fini, j'arrête. Hein. J'en ai assez fait, on aura cassé aujourd'hui les amis. 9267 blés. 9267 blés, on aura cassé aujourd'hui. Oui. Oui j'ai fait ça. Oui et là je n'ai plus de FPS, oui. C'est pour ça que j'arrête, parce que là mon PC va juste me dire d'aller me faire foutre. C'était pas arrêté avec le blé. Bah oui mais bon écoute hein, oh. Je joue quoi en fait. Je joue au jeu en fait. Le PC est en sueur actuellement. J'espère juste là, actuellement j'espère juste que les entités vont despawn. Voilà je vous le dis. J'espère juste que tout le blé que je viens de casser va juste despawn. Et puis voilà. On est sur Farming Simulator. Bah ouais mais bon écoutez, c'est pas ma faute si c'est broken. On a trouvé un exploit. On a trouvé un truc qui est complètement fort. T'es plus en cité, arrête. Hein. Ouais bah ça tombe bien parce que j'en commence une dans 3 jours là. Donc ça commence bien. C'est 3 jours hein. Ouais c'est vendredi c'est ça. Ouais donc c'est dans 3 jours. Hein. Quel enfer. Quel enfer. Ouais, peut-être que je sorte une vidéo moi d'ailleurs. Hein. Avant. Non. Là, faut que je me note un truc. Attendez les amis, faut que je me note un truc important. Faut que je me note d'envoyer un truc à Nimbus. Merci pour le resub. Hop là. Salut Kul, ça va? Hop là. Ok, nickel les gars. Merci Kankrirex. Merci infiniment. Ok, je finis de replanter ce champ et on n'en peut plus là, les gars. Mais en vrai, ça valait le coup. Vu le stuff qu'on a, franchement, ça valait le coup. Alors là, on a fait une bonne dinguerie, là. Je n'ai plus de FPS. Il ne faut surtout pas que je me retourne, sinon mon PC explose. Si là, je me retourne, mon PC va exploser, mec. Pitié que ça dispawn vite. Pitié que ça dispawn vite, vite. Le feed chic, ouais, le... Le Chupacabra là il en peut plus là, il est toujours en haut. Au moins c'est bien, ça fera des commentaires hein, dans la vidéo. Les gens vont dire ça. Les gens vont dire le Chupacabra il est resté 14 milliards d'années ou c'est quoi en fait. Oh là 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 putain les FPS hein, c'est pas possible. Hein. Bon vraiment l'avantage les gars c'est que là je peux vous dire que je pense qu'on n'aura plus jamais aucun problème de nourriture. Voilà.
pense sincèrement que niveau nourriture, je pense que c'est bon quoi.